Véritable légende du cinéma français, Jean-Louis Trintignant est mort à l'âge de 91 ans le 17 juin. Selon les informations communiquées par sa femme, le comédien est décédé chez lui à Uzès, une ville située dans le département du Gard, entouré de ses proches. Sa dernière épouse a également ajouté qu'il était mort paisiblement de vieillesse. Pour mémoire, il souffrait d'un cancer, une information qui avait été révélée au grand public en 2017. C'est le mercredi 22 juin que les obsèques de Jean-Louis Trintignant ont eu lieu à Nîmes, dans le département du Gard où il résidait. Sans grande surprise, de nombreuses personnalités issues du milieu artistique étaient présentes pour rendre un dernier hommage au monstre sacré du cinéma français. Marianne Hoefner avait bien évidemment fait le déplacement, tout comme l'ex-femme de Jean-Louis Trintignant, Nadine, qui fut l'une des premières à saluer la mémoire du père de ses trois enfants le jour de sa mort. Le cinéaste Claude Lelouch est également présent aux obsèques, de même que le comédien Charles Berling, le chanteur Marc Lavoine ou encore Claude Sérillon.